Voilà, c'est venu. Donc, je suis sur IGES et j'ai vu le format, le test format est apparu. C'est écrit même test format SCORM. Donc, voilà la différence. Donc, ça s'affiche directement et l'étudiant peut maintenant faire next, next et compléter le cours sans souci. Et ici, il affiche la progression en bas ici, 17%. Donc, il fait next, il va sur le slide, le diapora suivant. Donc, le temps que le serveur charge le contenu, ça prend quelques petites secondes. Moi, j'ai une connexion très basse dans la cause de ce que je fais ici. Donc, voilà un peu comment le PDF a été ajouté sur le système IGES. Voilà. Et il continue à faire son cours sans souci, sans que vous, en tant qu'instructeur, en tant que staff, vous n'ayez pas à créer tout ça sur votre plateforme. Maintenant, je vais ajouter une vidéo pour qu'on voit clair. Je vais aller derrière. Je le passe sur mon fichier, sur mon dashboard en tant qu'enseignant. Toujours dans le chapitre structure, je vais faire ajouter une leçon. Je fais ajouter, mais cette fois-ci, ce sera une vidéo. Je vais faire vidéo test SCORM. La vidéo n'est pas à mon niveau, je ne l'ai pas créée. Je l'ai pris sur SCORM Hero, donc je l'ai converti en SCORM directement. La durée, c'est à peine une minute. Hein. Je mets juste un. À peine c'est une minute. Le host, c'est SCORM. Donc c'est SCORM qui gère tous les modules qui sont pris, tous les cours qui sont pris ailleurs. Donc il dit drag and drop. Je peux, comme je l'ai dit avant, je pouvais faire glisser, déposer, au lieu de faire parcourir. Donc je vais juste prendre le dossier, le fichier. C'est une vidéo qui est ici, Cannot Cancel Subscription. C'est ça qui était sur le cours 0, si vous vous souvenez. C'est lui qui est ici, Cannot Cancel. Donc j'ai juste fait option et j'ai fait download. C'est tout. Et il me l'a téléchargé en format SCORM directement. Donc je reviens sur mon waterfall. Je vais juste faire glisser, déposer. Voilà. Je dépose le fichier sur la section. Il faut. C'est 2 mégas. Ce n'est pas très. Ce n'est pas trop lourd. C'est une petite vidéo. Je fais privacy. Je fais unlock. Pour qu'on ait accès à ça, je fais unlock. Donc, this is a video. This is a video score. Voilà. Donc, si le partenaire a le coup comme ça déjà fait sur son serveur, il vous envoie juste les fichiers SCORM ou juste les sommaires. Voilà, c'est fini. Upload a été téléversé avec succès. Je fais save. Maintenant, j'irai maintenant sur le site en tant qu'étudiant pour voir si j'ai accès à la vidéo. Donc, je vais juste sur la vidéo sur IGES. Donc, je vais aller attendre patiemment qu'il enregistre la leçon en vidéo. Voilà. Donc, le module est prêt, disponible sur IGES. Que ce soit l'enseignant, que ce soit le staff, ils peuvent ajouter des cours maintenant SCORM sur le site IGES. Je vais aller faire, je vais revenir derrière. Attention, j'irai derrière d'abord. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est au niveau de chapitre 3. Je vais revenir derrière. Je vais ajouter, je vais voir si ça a été pris. Donc c'est lui ici. Ça a mis la vidéo. C'est ça. Donc pour aller vite, je vais toujours faire un preview pour aller vite, pour voir si c'est bon. Il m'affiche la vidéo normalement. Depuis le serveur de SCORM Hero. J'attends patiemment. C'est dû à ma connexion. Sinon, c'est rapide. C'est dû à ma connexion Internet. Je vais essayer de voir si ça va s'afficher. Ce sera une vidéo qu'on va voir. Ce n'est plus un PDF, ce n'est pas un Word, ce n'est pas un PowerPoint. C'est une vidéo qu'on doit regarder. À peine c'est quelques secondes. C'est pour aller vite que j'ai pris une petite vidéo à titre de test. Donc, on est au chapitre 2, au niveau de TOEFL Structural. Voilà, la vidéo est apparue. Voilà, donc si l'étudiant suit la vidéo, ça marque la progression. Donc, on peut suivre même le parcours de l'étudiant. Et on sait à quel niveau il est dans le programme de formation. Voilà. Voilà, ça charge la vidéo. Vous voyez, c'est automatique. Voilà. Il y a même le mode plein écran. Il y a le mode petit écran qui met la vidéo en petite image. Voilà, comme ça, comme sur YouTube. Voilà. On fait back, ça revient encore à comme c'était avant. Ou le mode plein écran. Il dit le cours est complété. Parce que la vidéo finit, ça suppose que le cours a été accompli avec succès. Donc, c'est le module SCORM qui gère ça pour vous. Et là, l'étudiant passe au chapitre suivant, qui est au niveau de IGES, c'est le TOEFL Preparation. C'est un seul, c'est un PDF qui est là. C'est un PDF. Pas lié à notre
notre vidéo de démonstration, c'est à part. Donc voilà un peu comment le SCOM fonctionne. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez les poser soit à votre staff, soit à All-in-One Academy. Voilà. Merci bien. Tout à l'heure.